Je veux rentrer. Je veux rentrer tout de suite! Mais je m'en fous de la marée! Les miens! Tu dors pas? Non. C'est bien ce que tu lis? Des fois oui, des fois non. Ma mère, elle aime dormir, et toi? Non. La nuit, on s'ennuie pas pareil que le jour. C'est vrai. J'aimerais être comme ma mère, je voudrais faire comme elle. Faire quoi? Je sais pas, par exemple, être content de manger du chocolat. Elle a toujours peur pour moi que j'ai trop chaud, trop froid. Maintenant, elle dort à côté de toi. Oui, et toi, est-ce que tu as peur? Là que tu descends? Non, à la prochaine. Pourquoi ils arrivent s'il n'y a personne? On sait jamais. Tu parles comme ma mère. Elle dit toujours on sait jamais. Comme ça. Qu'est-ce que c'est? Ce que tu veux, un nuage, une bouche. C'est là? Je suis dans la carte postale. Carte en tout genre. Et vous? On n'en voit jamais, ça m'emmerde. Y'a pas plus idiot qu'un imbécile qui poste une carte à un autre imbécile. Et moi, j'ai fait la France entière. Vous voulez que je vous montre mon catalogue? On a des spéciales. Vous savez comment on les appelle, les spéciales? Les cartes françaises. Pourquoi vous ne répondez pas? C'est crétin ce que je raconte. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut parler. Bah oui, on peut parler. Vous voyez, j'ai raison. Je vous offre un café. Non merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Vous allez où? Vous voulez que je vous dépose sur voiture? Pourquoi pas? Vous avez de la chance, j'avais oublié ma valise de démonstration dans les toilettes. Vous saviez? Non, je ne vais pas remarquer. Vous allez faire quoi ici? Je vais voir ma sœur. Ah, elle est frangine.
Remarquez, moi, je n'en ai pas. Elle fait quoi, votre soeur? Elle fait les marchés avec son mari. Ça aussi, c'est dur. N'est-ce pas, Pâques? Vous en achetez, vous, des cartes postales? Je déteste ça. Un bon point pour vous. Toute ma vie passe dans les cartes postales. Chaque type qui en envoie une poignée de secondes de ma vie. Je suis pas très joyeux. Hein. Je rabâche. En tout cas, vous n'êtes pas causant. Vous ne pourrez jamais vendre. C'est là. Ah, te voilà. Entre. Oh, tu pouvais pas téléphoner? C'est bien de te voir. Tu veux un café? Non, merci, j'en ai pris un tout à l'heure. Assieds-toi. Tu dors ici ce soir, hein? Si tu veux, ouais. Va bien, Francesco? Francesco, ça va? Oui. Il a pris un peu de poids. Alors, raconte. De quoi? Toi. Ben, moi, rien à dire. Mais c'est bien que t'aies pris ce nouveau boulot. Comme ça, on va pouvoir se voir plus souvent. Tu commences à quelle heure? 10 heures. Si tu veux, je te fais le lit, tu dors un peu? Non, mais j'ai pas sommeil, ça va. Tu continues à pas vouloir dormir? Mais c'est pas ça. Excuse-moi. Je suis si contente. Tu vas voir, ça va aller mieux après. Mais ça va? Qu'est-ce que t'imagines? Ça fait 6 mois que je suis sans nouvelles de toi, j'imagine ce que je peux. Tu vas prendre une douche? Depuis quand elle fonctionne plus? Depuis la mort de maman. Bon, il faut que j'y aille. Je te laisse une clé, tu la mets sous le paillasson en sortant. Non, mais moi aussi j'y vais. Tu sais, je fais de la peinture. Enfin, je m'entraîne. Pour le moment, c'est plutôt barbant, mais tu vas voir. Bientôt, je vais faire exploser les couleurs. T'as arrêté la chanson? Je t'adore. Mais avant, c'était quoi, la poésie de quel siècle, hein? Ah, Betty, salut. Je te présente mon Jules. Il est beau, non? Ouais, mais c'était pas... Non, c'est mon frère. Ah oui. Il est arrivé ce matin. On l'a attendu hier toute la journée. On s'en fiche, ouais. Non, mais pas du tout. Il vient d'Orléans. Ah ouais, c'est joli. Ouais, c'est petit. Bah, c'est comme ici, y a rien à faire. Bon, je vais y aller, hein, je vais être en retard. Salut. C'est ma voisine. Elle vient juste d'aménager dans l'immeuble. Elle est sympa, non? Tu m'ennuies. Allez, à ce soir. Ouais. On racontera? Ah, ouais, ouais. Sûr? Ouais. Merci.
Bonjour, monsieur Moreau. Il est pas là, il va arriver. Vous êtes le nouveau serveur? Oui. Gérard! Allez, dépêche! C'est le nouveau serveur, tu l'aides à dresser la salle. Tu lui montres. Tout de suite? Bah oui, tout de suite. C'est quand même pas moi qui vais le faire. Tu connais le patron? Non, c'est juste parler au téléphone. Il a des emmerdes en ce moment. Sa fille a fait la com. Je crois même qu'elle a été arrêtée par les flics. En plus, il est l'URSSAF sur le dos. Lui là-bas, regarde, c'est mon oncle. C'est grâce à lui que je suis en apprentissage ici, mais c'est pas un cadeau, je te jure. Et les serviettes? Là-bas, dans la desserte. C'est lui, là. Gérard? Putain, qu'est-ce que j'ai encore fait? Hier soir, avec ton oncle, on a fait la caisse, et figure-toi qu'elle tombait juste. Et puis après, on est descendu dans la réserve. Tu te souviens? Parfait. Tu t'es donc retrouvé seul dans la salle. Ce matin, je vais à la banque. Et tu sais quoi? Il manquait 200 francs dans la caisse. Tu te rends compte? 200 francs. C'est pas moi, je vous assure. C'est quand même pas ton oncle. Non, mais c'est grave, Gérard. C'est très grave, tu comprends? Vous me faites chier tous les deux, je vous jure que j'ai rien pris. Faut pas jurer, parce que voleur et menteur, ça fait beaucoup. On se calme là, hein, on arrête là. Qui c'est celui-là? C'est le nouveau serveur. Et moi, je suis le patron. De quoi tu te mêles? Traite pas les gens comme ça. T'es quoi pour me dire ce que je dois faire? Alors, laissez-moi sortir. Ici, les ordres, c'est moi qui les donne. T'as compris? Tio, le petit garçon, frappa à la porte de la vieille Tatsi. Pendant qu'il dormait, une étoile filante passa dans le ciel. Et tout devint jaune comme de l'or. Au matin, un soldat du roi vient les réveiller. Toc, 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 fit le soldat miroir. Tatsi, très impressionnée, ouvre la porte. Bonjour, vous avez rien entendu? Bah non, fit Tatsi. Vous avez vu personne non plus? Bah non. Oh, bah il y a bien un petit garçon, mais je sais pas comment il s'appelle, il veut pas parler. Ah, je voudrais le voir, dit le soldat miroir. Et Tio apparaît. Alors comme ça, mon petit bonhomme, tu es muet? Tio fait oui de la tête. Vous croyez que Tio est muet? Non, pas Tio. Ah ben voilà, c'est ça. Il est timide. Bon, allez, on continue l'histoire demain. Allez, on va chercher les manteaux. Ça s'est bien passé à la piscine? Oui, très bien, très bien. Je peux vous voir un instant quand tout le monde sera parti?
Oui. Je sais que ça doit être difficile pour vous, mais Damien va pas bien du tout. Hein. Il se met en travers du chemin, rien se fait simplement. Avec les autres enfants, il a peu de contact, ou alors il est en conflit. Vous lui parlez? De quoi? D'être très jeune. Pourquoi vous dites ça? Oh, je sais pas. Je me dis qu'on est moins préparé à avoir un enfant quand il arrive très vite. On peut être vieux et faire des erreurs. Oui, bien sûr. Mais il faudrait quand même que Damien voie quelqu'un, un psychologue. Peut-être que vous avez besoin d'aide? Damien et moi, on a besoin de personne. Attendez, je veux pas vous brusquer, mais faut quand même réfléchir. C'est pour son bien. Et voilà. On est arrivé, monsieur. On va goûter? Qu'est-ce que vous voulez? Des céréales. Arrête Damien, il y a papy qui se repose. Ah mais t'es déjà rentrée toi? Alors c'était bien l'école? Qu'est-ce que t'as fait? Je m'en rappelle plus. T'as dessiné? Oui. Quoi? Et la récréation? T'as joué avec tes copains? J'en ai pas de copains. Ah bon, pourquoi? Ils sont pas gentils? Si. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Mais tu peux pas arrêter de lui poser des questions comme ça? Bah quoi, je fais rien de mal. Personne ne veut jamais rien de mal, de toute façon. Qu'est-ce qui va pas encore? Les oreilles quand je te parle. T'es pas contente? Non. Et pourquoi? J'ai tout. Mais c'est pas notre faute. Et tu commences à m'emmerder. Je sais, j'emmerde tout le monde. T'avais qu'à réfléchir. C'est pas moi qui t'ai demandé de faire un gosse. Mais tu comptes me rencontrer toute ma vie? J'en ai marre, je comprends. J'étouffe ici, j'étouffe. Mais c'est l'hôpital, tu te fous de la charité? C'est pas la question. Non, elle avait pas ton âge, en tout cas, tu baisses ton âge. Non, je ne dirai pas. Mais c'est moi qui te demande. Du marché d'observation, qui est les satellites qui sont en orbite basse. Vraiment, je t'ai interdit de t'entendre. Mais qu'est-ce que tu cherches? Mes cigarettes! Mes cigarettes, je cherche! Mes cigarettes! Maman, est-ce que je peux faire le taureau? Oui, attends, je te reste à ce moment. T'auras moins chaud. Allez, vas-y. Fais attention, hein! Attends.
ce soir. Ouais. T'as vu, je pense à tout, hein. Maman. Quoi? Pourquoi il y a des vagues? Bah, je sais pas. Peut-être parce que la lune, le soleil, le vent, qui dit aux pêcheurs, pars, pars. Je te promets une pêche extraordinaire. Alors le pêcheur partit tôt le matin. Il escalada les montagnes, traversa les plaines et arriva bientôt là où il devait pêcher. Il mit sa canne à pêche dans l'eau et pêcha tout de suite un chat. Il le mit dans son panier et remit sa canne à pêche dans l'eau. Et au bout d'un moment, il pêcha du thon. Que pêcha le pêcheur? Un chaton. Un chaton! Encore le pêcheur. Attends, je réfléchis. Alors, le pêcheur partit encore très très tôt le matin, encore plus tôt que d'habitude. Il escalada les montagnes, traversa les plaines et arriva bientôt là où il devait pêcher. Il mit sa canne à pêche dans l'eau et pêcha tout de suite une bise. Il la mit dans son panier et remit sa canne à pêche dans l'eau. Et pêcha du ou que pêcha le pêcheur? Un bisou. Un bisou, un bisou, un bisou, un bisou. C'est pas un hôtel ici. On rentre pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ton père t'a apporté les papiers pour être embauché à l'usine. Si j'ai pas envie. Tu veux pas travailler? J'ai pas dit ça. S'ils veulent pas de moi. Je suis connu, on sait ce que je vaux. J'en ai parlé. T'aurais pu me demander au moins. Je m'en moque. Et je vais te dire, une fois que tu seras là, t'as intérêt de tenir un carreau, t'as compris? J'irai pas. Parce que tu crois que je vais te nourrir, toi et ton... sans que tu fiches rien? Jamais être simple. Pourquoi? Tu peux avoir du lait. Tiens. En avoir encore. Ce serait bien que tu aies un travail. Enfin, qu'est-ce que t'en penses?
Qu'est-ce que tu feras, maman? On va aider papy à fabriquer du carton. Connaissons bien votre papa, c'est quelqu'un de sérieux dans son travail. Quand il nous a présenté sa requête, nous nous sommes tout de suite montrés favorables. Mais dites-moi, à votre avis, qu'apporterez-vous à la papeterie? Je sais pas, je suis jeune. Oui, mais encore. J'ai besoin de travailler. C'est ce que nous allons vous donner du travail, mais vous en échange, qu'apporterez-vous? Je sais pas trop. Voilà qui est franc, mais il vous faudra pourtant répondre à cette question. Alors vous ferez une semaine sur deux, 7h-13h. Et l'autre, 13h-19h, d'accord? Oui, je commence quand? Lundi, nous pouvons vous proposer qu'un CDD. Dès que votre contrat sera prêt, nous vous demanderons de passer le signer. Au revoir, mademoiselle, merci. Au revoir, merci. Tu verras, ça va s'arranger. C'est des conneries ce que tu me dis. Comment je vais faire avec Damien? Je m'en occuperai, j'irai le chercher à l'école. Je l'emmènerai même si tu veux. Tu verras, avec un travail, ça ira beaucoup mieux. Si on renouvelle pas mon contrat, qu'est-ce qu'il va dire l'autre? Je suis une bonne à rien encore? L'autre, c'est ton père. Puis je crois pas qu'il dira ça. Pourquoi tu le défends toujours? Faut que t'arrêtes un peu bêtise, tu sais. Je te jure. J'ai pas besoin de ta pitié. C'est mamie qui viendra te chercher, puis qui t'amènera, vous irez par le car. C'est rigolo. À cause du travail? Ouais. Pourquoi faut travailler? Pour gagner de l'argent. D'accord, on a acheté de l'argent. Ça s'achète pas l'argent. Moi, on m'en donne parce que je fais un travail. Tu vois, tu travailles toi à l'école? Des fois oui, des fois non. Moi, si j'étais grand, je dirais qu'on n'aura pas besoin d'argent. Il y en a là-dedans. T'es pauvre? Non. T'as pas d'argent, c'est ça? Bon, t'arrêtes de me poser toutes tes questions. Maîtresse, elle dit que c'est bien des questions. T'as réponse à tout, toi, hein? Faut rien te dire. Tu sais. De quoi? Au travail. Apprends à réfléchir autrement. Mais si, tu verras. T'as toute la vie devant toi. Et puis on peut s'épauler, non? Allez.
maman, j'ai peur. Maman, maman, j'ai peur. S'il te plaît, laisse-moi dormir, je crevais. Mais le pêcheur, il voulait me prendre. Demain, je suis fatiguée. Je peux venir dans ton lit? Non. Mais j'ai peur tout seul. Mais on n'est pas tout seul, hein, on est dans la même chambre. Le pêcheur, il va me prendre et tu ne le verras même pas. On vient. Arrête. Arrête de bouger. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié Bougnette. Les moules du bassin, 2 litres. Oui, et la soupe, tu veux de la soupe? Tu veux de la soupe, chérie? La soupe, elle est à 26. Ben, je vais prendre une soupe, alors. Ok, donc une soupe. Damien, tu veux pas arracher le papier peint? Vous ne faites pas le droit. Enfin, ce sera plus pareil, hein. Voilà pour continuer le chantier. Bière, chips, saucisson, Coca-Cola. T'aimes bien les pique-niques? Oui, il adore. Tu vas m'aider, alors? Oui. Si tu vas tout à l'heure, je t'en accrocherai un gros bout sur le mur. Comme ça, tu pourras dessiner. Tu veux? Ouhou. Bonjour. Tu me dis pas de rentrer? Si, si. Ben, entre. C'est par là. Je vois que t'es pas toute seule. Oui, elle est venue m'aider, c'est Cécile. Mais je la connais. C'est pas du boulot. Eh ben, qu'est-ce que ça peut faire? Ouais, t'as raison. De toute façon, ce que je pense, moi, tu t'en moques. Je t'en prie, j'ai pas envie qu'on se dispute. Mais on se dispute pas. Si. Ouais, pas du tout. Papa, je préférerais que tu partes. Quoi? T'as très bien entendu. Je pars si je veux, tu sais. C'est pas la peine. Pourquoi t'as pas voulu que papy reste? Tous les enfants un jour s'en vont chez leurs parents. Toi aussi un jour tu partiras. Mais pas tout de suite, hein. Moi je n'en irai jamais. On la verra encore, mamie? Oui. Comme d'habitude. Tu me racontes le pêcheur? Non, pas ce soir, je suis fatiguée, là. Demain, promis. Alors, tu me laisses allumer la lumière du couloir? Oui. Allez, Damien,
Va vite mettre ton manteau. Allez. Je commence à 7h demain. Mais pas de problème, je l'emmène et je le ramène. Ton père regrette, tu sais. C'est pas vrai, il regrette rien. Damien, tu viens ? Tiens, c'est pour vous. C'est du chevaulard. À demain. À demain, mamie. Maman, demain, c'est carnaval. Il faut qu'on fasse un déguisement. Ah bon, en quoi tu veux te déguiser ? En chenille. En chenille ? Oui, mais il faut les pattes tout le long du corps. Non, mais je peux pas te faire un déguisement de chenille cette nuit. T'as qu'à mettre ton masque de canard et puis je te donnerai des gants blancs. Non, je veux être en chenille. Écoute, Damien, je peux pas te faire un déguisement de chenille cette nuit. Puis de toute façon, c'est moche. Bon, tu viens ? Non. Bon, ben reste. Qu'est-ce que c'est que ce petit bonhomme ? Elle est où, Betty ? Elle est morte. Ta maman est morte ? Oui. Tu viens, Damien ? Ah, tu vois ? Je savais bien qu'elle n'était pas tout à fait morte. Bon, Damien, je vais me fâcher maintenant. Je crois qu'il est temps d'y aller. Hein. Tu veux que je te donne la main ? Non. Tu veux que je te porte ? Parce que t'es lourd. Fais semblant de dormir. J'ai trouvé un enfant perdu. Il dormait en bas de l'escalier. Vous n'auriez pas un petit lit pour lui ? Il est gentil au moins. Très gentil. Mais très fatigué. Prends-en soin. Au revoir, Damien. Salut. Merci. Il mit sa canne à pêche dans l'eau et pêcha une mousse. Il l'a mis dans son panier. Et tout de suite remis sa canne à pêche dans l'eau et pêcha une tâche. Que pêcha le pêcheur ? T'es chiant, Damien. Tout ça pour une histoire de déguisement. On s'éteint ? Un bisou. La lumière du couloir. Et avant, c'était quoi, alors, la poésie de quel siècle ? Ah, Betty ! Salut ! Je te présente mon Jules. Il est beau, non ? Mais c'était pas... Non, c'est mon frère. Il est arrivé ce matin. Ben, on s'en fiche. Mais non, pas du tout. Il vient d'Orléans. Ah, c'est joli ? C'est petit. Ben, c'est comme s'il n'y a rien à faire. Ben, je vais y aller, hein, je vais être en retard. Salut !
Moi, je suis la chenille. Dans l'histoire de Tio, il n'y a pas de chenille. Si, c'est ma mère qui a découvert l'étoile filante. Non, t'es un menteur. C'est Tio tout seul qui l'a retrouvée. Non, c'est la chenille. Viens, on va le demander à la maîtresse. La maîtresse, elle le sait même pas. Menteur. Trouillard. Voilà. Faire pipi. En quoi t'es déguisée? En chenille. Ah, t'es pas déguisée en soldat? Non, mais c'est ma mère qui a voulu que je sois en chenille. Bon, allez, vas-y. Et t'en mets pas partout! T'as fini, Damien? Non. Eh ben, moi, je dis que si. Hein. Alors. Allez, où dehors? Betty, ça va pas? T'es malade? Quoi? Je te demande si ça va. Ouais, j'en ai marre, c'est tout. Toi, tu couvres quelque chose? Non. Vivement qu'on arrête, là, j'ai envie de respirer. Allez, plus que 5 minutes. Après, c'est la pause, hein? Allez. Allez. Thank you.
Fred Villiers, s'il vous plaît. Celui-là, c'est le pire. Une fois, je l'ai vu partir avant l'heure, rien que pour faire chier. Mais vous auriez quand même pu donner votre ticket. Hein. Remarquez, je comprends aussi votre colère, c'est vrai, il a failli vous écraser. Il doit être pas loin de la retraite, c'est pour ça qu'il fait plus d'efforts. Moi non plus, j'en suis pas loin. Je vais rentrer parce que je me sens pas très bien, là. Faut d'abord que tu passes au bureau du personnel pour prévenir. Tu serais pas un peu amoureuse, toi? Je peux prévenir à ma place. D'accord. Je passerai te voir ce soir? Non, non, c'est pas la peine. Ah, j'attends quelqu'un. Tu savais bien qu'il y avait un truc, hein? Vous n'avez pas vu Betty Roussel? Elle vient de partir, j'allais vous prévenir. Qu'est-ce qui se passe? Son fils a eu un accident. Jesco, je cherche Muriel. Tiens, un fantôme. Elle est là? Elle est partie à la maison. Ta mère est pas là? Non. C'est bizarre. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais pas être au travail? Ben si, mais je me suis pas sentie bien. Si les gens devaient s'arrêter chaque fois qu'ils font un pet de travers, ils travailleraient pas beaucoup. T'as été embauchée grâce à moi, je te rappelle. C'est pas vrai, il m'aurait quand même prise. Tu vois, ce qui cloche avec toi, c'est que tu te prends pas pour de la merde. Ton usine, c'est pas une vie. Oui. Moi, j'avais rêvé d'une autre vie pour toi, j'étais prêt à tout donner. Mais c'était pas encore assez, t'en voulais plus, tu m'écœures. Toi aussi, tu m'écœures. T'es con. T'es un pauvre type. Ça suffit, tu la fermes. Tu peux pas parler normalement, des fois. Hein? Même quand j'étais petite, tu savais gueuler tout le temps. Donner des ordres. Mais fous le camp. Ouais. Fous le camp. Je pars. Fous le camp. Je pars. Je reviens pas. Mais personne ne te retient, toi et ton bâtard.
T'attends Muriel? Ouais. Tu veux venir l'attendre chez moi? Non, mais c'est gentil. Je vais faire un tour. T'es sûr? J'ai fait du café! Muriel est... Non, non, mais vas-y, toi. C'est pas important. Non, mais je disais seulement que quand j'attendais ma sœur, le téléphone n'a pas arrêté de sonner ici. C'est pas important. Ça doit être mon père. Et toi? Moi, quoi? Bah, qu'est-ce que t'allais dire? Je sais plus. Je trouve bien. Bon, maintenant, c'est à toi de parler. En fait, je voulais dire, je viens d'emménager, donc c'est pour ça que c'est un peu le bordel. Et puis la décoration, j'ai pas fini. Il est beau, non? Ah ouais? C'est mon fils qui l'a fait. Ça, c'est ça. C'est son doudou. Il le quitte pas, il l'adore. Il s'appelle Bougnette. Faudrait que je le lave un jour. Ouais, tu viens, j'ai pas envie de rester. Tu viens? Je suis fille unique. Mon père m'adorait quand j'étais petite. Javea, tu connais? C'est beau, c'est en Méditerranée. Moi aussi, je l'adorais, mon père. Je crois même que ma mère trouvait que c'était un peu beaucoup. Mais c'était normal, quoi. Puis je me suis mise à grandir. Difficile d'empêcher les enfants de grandir. Et une année, j'ai tout fait pour partir en vacances aux colonies. En Espagne. J'avais acheté, je te l'ai déjà dit, non? Et quoi? Et puis, j'étais en troisième, j'étais pas très bonne, mais bon, j'aurais pu passer en seconde. Mais c'est après les vacances, Damien est arrivé. Mes parents ont tout fait pour que j'avorte. Ils voulaient même pendant un moment me faire accoucher sous six parce que c'était trop tard pour avorter. Tu te rends compte? Et le père, il sait? Non. Damien, c'est ma vie. Ça va être... Il y a mon père, je veux pas le voir. Tu viens? Les gens comprennent pas Damien. On me dit qu'il se dispute avec tout le monde. Que tout est un problème avec lui. Il aime pas trop les consignes. Il me ressemble, j'aime pas les ordres. Et toi? J'en sais rien. Il a des petites autos et puis des petits bonhommes avec qui il joue. Et le soir, je raconte des histoires. Ça t'emmerde ce que je te raconte? Non, non. Alors c'est quoi? C'est rien. D'accord? Rien. On va pas se disputer, on se connaît à peine. Excuse-moi, je sais pas. Je suis con. Ouais. Non, t'es pas con. Enfin, on l'est tous à des moments différents. Et puis aujourd'hui. Je vais partir. Pourquoi? Je peux pas rester. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Tu peux me répondre, moi? Quel abruti, ce mec.
crois que c'est le destin? Moi, je crois aussi, ouais. Ou un truc comme ça, quoi. On était fait pour se rencontrer, quoi. Ouais, peut-être. Quand est-ce que tu t'es dit ça? Ben, je me le suis pas dit. Tu veux monter? On fait un tour? Bah, pour aller où? Bah, je sais pas, on verra. Pourquoi t'es comme ça? Ce matin, j'ai eu un accident. Grave? Si c'était grave, tu serais pas là. Tu viens? Pousse-toi, tu me fais de l'ombre. Je sais plus où j'en suis. Moi, je sais. J'aurais tant voulu qu'on se rencontre un autre jour. On n'est pas bien, là? Si, on est bien, si. T'es chiant. Tu t'es fait mal? Non, c'est rien. Montre. C'est rien, je te dis. Tu vas pas recommencer. Je peux pas. Cet après-midi, c'est congé pour moi. C'est mon moment de liberté. Mon moment de bonheur. Cherche pas, sinon je disparaîtrai pour toujours. Laisse-moi venir à toi. Ne retourne pas. Ne retourne pas. Thank you.
Vous n'êtes pas les premiers que je surprends, hein. C'est une cabane qui plaît. Vous allez où? Sur le bassin. Je vais déposer les poches et puis en relever d'autres. Je peux venir avec vous? Pourquoi pas? Allez devant si vous voulez. C'est plus beau. Alors, qu'est-ce que je vous disais? C'est bon, hein? Ça me fait penser à une petite fille que j'ai vue cette nuit dans le bus. Pourquoi? Elle avait peur, elle se sentait différente de sa mère. Je comprends ce qu'elle pensait parce que pour moi c'était pareil. J'essayais de lui ressembler, j'y arrivais pas. Elle disait que je comprenais rien, que je m'intéressais à rien. Je crois pas. Je crois simplement que j'arrivais pas à regarder les choses comme elle. Ça va? Ça vous dirait un petit casse-croûte? Ouais. Faut attendre que la marée remonte pour repartir. C'est ça, ouais. Et si elle remonte pas? Elle remonte toujours, hein, c'est la nature. Dommage. C'est la première fois que je me sens aussi bien avec quelqu'un et toi. T'es pas obligée de me répondre. Je me suis habituée à tes silences maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Petit, ce matin, j'ai eu un accident. J'étais en voiture, puis un gamin est sorti. J'ai pas pu l'éviter. Je suis descendu, je me suis penché sur lui, puis j'ai pris peur et je suis parti. Qu'est-ce qu'il avait? C'est passé vite. Je sais pas. Tu peux pas rester comme ça. Faut que t'ailles à l'hôpital, il faut que tu saches ce qu'il a. Pourquoi t'as pas été à l'hôpital? J'étais au commissariat. Puis j'ai eu un doute. Comme si ça avait pas existé, comme si ça s'était pas passé. L'enchaînement des choses. Puis t'es arrivé. Tu m'as dit qu'on était fait pour se rencontrer. Il faut rentrer, là. Faut pas, faut attendre la marée. C'est pas grave, t'inquiète pas, ça se trouve, il a rien. C'est une égratignure. Je sais rien. T'es pas capable de faire du mal? J'en sais rien. Il avait le visage peint, il portait un casque. J'ai vu que son regard. Où? Bonne école. Et on s'est vu. Il était comment? Je sais plus. Comment il était? Je sais pas, moi j'ai rien vu.
J'ai eu... Je veux rentrer. Je veux rentrer tout de suite. Damien. Quoi, Damien? Je veux rentrer! Je veux rentrer. Je veux rentrer tout de suite! Mais je m'en fous de la marée! Damien! C'est quoi son nom? Damien. Il s'appelle Damien. Il a pas un nom de famille? Tu crois qu'il y a trop de petits Damien qui ont eu un accident aujourd'hui? Ça va, t'énerve pas, j'appelle. On va le soulever un peu. Attends. Lève un peu. Le capitaine Henry pour le feu vert, vous recevez. Répondez, feu vert. Bah ici, le feu vert, je me reçois 5 sur 5. Le gamin, il a rien. Il portait un casque, ça l'a sauvé. Il quitte l'hôpital avec son grand-père et sa grand-mère. À vous. Bien reçu. Silence, ça va bien. Je suis vraiment qu'une petite conne. C'est drôle, la vie, non? Laisse-moi! Betty. Je l'interdis, le blé, mon prénom, je l'interdis!
T'as raison d'hurler, parce que je sais que rien n'est juste. Je sais. Oh. Lâche-moi ! Mais putain, moi aussi j'y crois ! Je t'en prie. Moi aussi j'y crois. Je t'en prie, je te fais pas de mal. Je te fais pas de mal. Betty, regarde-moi doucement si tu veux, regarde-moi. Moi, je sais qu'on s'aime. Je le sais, toi aussi tu le sais. Damn!